32. Je pense que ce qu'ils allaient chercher, c'est moins des sensations que des images. Alors, pour l'exposition Brise-l'âme, Sam, Célia et Benjamin ont décidé de recréer leur propre paysage en s'inspirant des courbes topographiques qu'on peut trouver sur les cartes et en leur donnant du volume. Ainsi, on peut se promener dans leur paysage tout en admirant les paysages imaginés par Dominique. Donc, à un endroit, on peut par exemple s'asseoir pour admirer les gouaches de paysages marins qui ont été reproduites en très grand. À ce moment-là, on entend aussi les textes qui sont diffusés par le son. Ces choses blanches qui flottent dans la nuit comme des fleurs. Les flous qui les entourent. Et on peut aussi se déplacer autour du Brise-l'âme pour voir les aurores boréales qui sont encore montrées d'une autre manière, sous forme d'écran. Et puis, à un autre endroit, on voit des personnages qui sont montrés en beaucoup plus petit parce qu'il y avait aussi cette idée de comment est-ce qu'on fait cohabiter le très grand avec le tout petit. Donc voilà, on a les gouaches qui sont reproduites en immense. Et puis, à d'autres endroits, on peut voir des personnages qui sont beaucoup plus petits et auxquels ils ont décidé de donner une épaisseur pour qu'ainsi on perçoive l'illustration qui est normalement plane différemment. Ils ont aussi décidé de, en complément, on va dire, aux très grandes reproductions qui sont en fait issues d'une série de paysages marins. Ils ont aussi décidé de montrer une sélection d'originaux pour qu'on en voit plus que juste les quatre qui sont très grands, puis qu'on les voit aussi dans leur format original, comme ça on peut à la fois les voir en très grand, plus sous la forme d'une immersion, et puis en même temps on peut les voir dans leur format originaux.